Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Afro-Diaspora Société. Une émission qui vous met dans le bain de toutes les informations de la société, tous les faits de société, je vais les dire, tout ce qui se passe dans notre société, Tout ce que nous voyons, nous voyons encore et encore. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule dans ce plateau. Je suis avec mon coéquipier de toujours, Mehdi Okuno. Bonjour Mehdi. Bonjour Kate Tu vas bien Ouais, je vais. Et je crois. suis aussi avec euh, un journaliste de la maison, Sublime lima. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Oui, ça va. Ok. aujourd'hui, nous allons parler, euh, nous allons essayer un peu de, de, de vous donner une leçon de vie, on peut dire, et parler d'un sujet que nous voyons plus dans notre société, surtout congolaise. Nous allons parler de du mariage précoce. Le mariage précoce, vous voyez, vous voyez déjà ce que ça veut dire, non Vous voyez un peu, vous avez un peu l'image et tout. Mmh. Et nous allons essayer un peu d'aborder le sujet, euh, voir euh, les avantages, les désavantages, et voir comment ça se passe ici. C'est parce que nous le voyons beaucoup ici en RDC. Le mariage précoce c'est quoi c'est le fait juste de, de quand on voit que l'un des conjoints a moins de 18 ans. Mmh. Ça peut ouais. être un homme ou une femme euh, et tout. Donc mais c'est un phénomène qu'on voit plus euh, chez les filles que chez les garçons. On va oui, voir comme sûr. ça. Toi, tu vas te marier à moins dis... d'existence 10 ans. Eu... Non, eh, <laughs> non j'ai encore les temps. J'ai encore, <laughs> encore les, les temps. Non, j'ai encore les temps. Nous, les hommes, euh, on a la carrière de musicien. Quoi Je suis musicien, oui. Bien sûr. Il y a des musiciens, ça va. J'ai une chanteuse. vas plus non. Plus. Non. Il ah, y a des musiciens à 80 ans qui peuvent chanter, non Oui, oui. Tandis que chez les femmes, c'est la carrière d'un footballeur. Il faut nous laisser. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées. Il y a certaines pour eux. Oui. eux le mariage n'est pas, pas leur lot, hein, comme on dit. Comme Sénat dit, Simone de Beauvoir. Hein. Ouais, Elle mais... avait dit la maternité, ce n'était pas son lot. Voilà, donc chez, chez nous, les hommes, c est, c est, ce genre de problème n'existe pas. pas Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Plus chez Maintenant, pourquoi, pourquoi on voit ce, ce phénomène de la, le mariage précoce non, Vous pensez fois, que C'est provoqué par quoi, par exemple Deux fois, je bon, je sais pas si mais deux fois, c'est plus les parents. Souvent, ce sont les parents. Souvent, ce sont les parents. Le mariage précoce, on pourrait dire que euh, c'est dû au fait que les parents ont grandi avec ça, déjà, c'est intériorisé. Donc intériorisé, donc pour certaines eux, il faut sociétés, marié oui, avant 18 ans. Avant 18, 18 ans, sûr. surtout dis, dans de... la culture africaine, hein. Ouais, J'ai ouais. donné l'exemple de ma tante, mm. la grande sœur de ma mère. Elle, elle s'était mariée, elle avait arrêté même ses études à troisième primaire, juste pour la raison que lorsque vous êtes née 18 ans, vous êtes vieille. Oh. Et que personne oh. ne voudra de vous. -vous. T'as comme... mais ma mais, mais pourtant, pourtant c'est là... à 18 ans que tout le monde devient majeur. Oui, oui. mais à l'époque, c'était comme ça. Mais attends, <laughs> pour t'attendre, c'était forcé ou bien c'était son propre gré? C'était forcé, oui, c'était forcé. Il y a, euh, je connais plein, plein de situations qui se sont déroulées où les femmes ont été forcées à abandonner les études mmh. pour se concentrer au mariage. Par exemple, une personne avait vraiment le souci d'étudier. Mmh. Malheureusement, sa famille, ses parents l'ont contraint à, à se marier à cet âge-là. Mmh. Et lorsque vous avez 18 ans, aujourd'hui vous êtes majeur, aujourd'hui vous pouvez vous marier légalement. Juridiquement c'est reconnu. Mais dans certaines sociétés traditionnelles, je pourrais dire même avec une conception primitive. Mmh. Et c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui s'est marient à, à moins de 18 ans. À moins de 18 ans, on peut dire bon. Ici, en RDC, est-ce que c'est accepté par la loi Je non. pense par, pas. Par la loi, non, par la mais loi. par la coutume. Quelle coutume Par, les Quelle ou... ouais, non, mais par la avance. coutume des autres, c'est oui. Par la coutume des autres, mais oui, les, 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 le monde avance quand même. Le monde avance, mais Attends. les mais hommes fait, ne font On ne refuse pas que le monde avance. Mais. La culture aussi, il ne faut pas l'oublier. Non, non, on n'oublie pas, il la, faut la, pas, culture. pas oublier la culture. On ne peut, peut pas, pas oublier, la oublier sa culture. On en a déjà parlé même dans cette émission. On ne peut pas ouais, oublier ça, sa on culture. Pas la culture. Mais il y a certaines choses qui, ne, ne, qui sont mauvaises. En fait. Oui, bon, ouais, c'est ça. En fait, dans la culture, tout n'est pas bon. On ne peut pas bonne. continuer avec l'application. Oui, tout n'est pas bon. Il y a d'autres pratiques que l'on il y a d'autres pratiques qui ne sont pas à garder. Mm -hmm. Là, on ne refuse pas. Mais cette pratique là, malgré que c'est mauvais. Il y a beaucoup, beaucoup de tribus qui le gardent jusqu'à présent. Oui. Jusqu présent. Oui, Il y a, il y a toujours des gens qui voit. sont restés très conservateurs par rapport à mmh. la culture. Voilà, ça bon, oui. évolue, mais il y a d'autres personnes qui restent toujours conservateurs. Moi, je pense, légis, je pense que c'est mieux d'être trié. Parce que si on continuez avec ce comportement-là, cette manière-là de faire, c'est c'est idée que faire encore plus régresser la société. La société parce qu'on avance, le oh, monde oui. évolue. Ils vont rester avec euh, les pensées primitives comme celui me le dit et, le mariage précoce donc et en plus forcé. Et souvent ouais. quand on le voit, on voit ce mariage précoce là, on voit ça donc il euh, y a une fille par exemple de 12 ans, enfin 13, on peut dire 14 ans, elle mmh. se marie avec un homme de je ne sais pas moi, quel âge. Et c'est qu'ils oublient. Bon en fait C'est pas mais bon. Ans, en fait dans d'autres contextes, ça. dans c'est comment Les parents te disent que non, c'est méchant, l'argent. Voilà. Épouse-lui Oui. Ah oui, mais elle était en coup Oui. Ah. Ouais, voilà. Oui, c'est ça, justement. Souvent, ouais. c'est bon, comme ça, tu vois. Mm. Elle épouse, elle épouse ces messieurs. Ah, mais elle en Le soir, tout ce qu'il va laisser, c'est pour toi. Justement, c'est pour cela, les, les parents envoient les, les autres D'autres parents envoient juste leurs enfants pour l'héritage. Donc bon, voilà, bah, pauvreté, ça, quoi Sacrifie-toi pour la famille. <laughs> c'est ça non On peut dire que ouais. la, 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 la pauvreté est l'un des facteurs qui fait à ce que... Ouais, il est, euh, voilà, voilà c'est ça. La il pauvreté là, fait il partie là, des, des facteurs. facteurs qui favorisent euh, ce mariage précoce. Il y a aussi des mariages précoces dû au fait que l'enfant le, mmh. est tombé enceinte. Mmh. Okay. Maintenant, pour régler ça, l'enfant ne peut pas avorter. Mmh. Bien sûr. On le contraint à se marier avec ce monsieur et le monsieur, même si c'est pas voulu, vu qu'il est déjà dans les délits, on risque de l'accuser pour viol. Oui. Oui, oui. Il est obligé de fléchir. Mais souvent à ces âges-là, la, 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 la fille ne connaît rien. Moi je pense pas que la fille peut aller de son propre gré enceinte. Peut-être ça a eu un acte de viol. tu mon <laughs> non, non non non. n'est pas viol. Moi je pense. Hein, une, elle a 13 ans. Mmh. C'est vrai que quand euh, nous voyons dans ces sociétés-là, dans les villages, dans les cultures, ils sont donc, euh, à ce moment-là, ils sont un peu trop vieux, hein, on peut mmh, dire. Oui, oui. Et puis les pensées ne sont pas comme euh, Banakina, à 11 ans, 13 ans, ils pensent seulement mmh, aux Androids et tout. <rire> <rire> oui. Et là, elle va, elle va aller, elle tombe enceinte. Moi, moi, je pense pas. Souvent, c'est forcé. Souvent, les, pa les parents veulent faire passer ces, ces, cette mascarade-là pour un peu, un peu étouffer euh, l'affaire de, de viol ou bien de, de ce genre de choses, vous ne trouvez pas oh, Oui. Bon, en fait. Euh, si on rentre scientifiquement parlant, mmh. mmh. c'est un viol. Non maman, c'est un hésité. Du Mais quand on rentre dans la culture quelque part côté mmh. famille, culture mmh. trop. Oh, mais 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 c'est oh, que... pas mauvais. Dit... Mais en fait, c'est quoi? Parce que on parle de, du mariage précoce. Ah. Tu vois? Scientifiquement parlant, c'est un viol. Mmh. Mais quand on rentre dans la culture, parents, on est d'accord. Il est d'accord, il sait que non, le monsieur viendrait épouser ma fille. Mmh. Tu vois, suivante. chez d'autres parents, c'est comme ça. Mais tandis que, juridiquement parlant, les avions, si, le monsieur mérite possible. la prison. Mais oui. Oui. Mais, tant que a mon parent couvrir un mot, et qu'est-ce que l'État va Il fait a mon Dieu couvrir un mot et puis. Mmh. L'État eu, euh, non. non. En fait, il existe deux possibilités. Mmh. La première possibilité, c'est que l'enfant tombe enceinte, c'est que les parents décident de, de, de la marier. Par force, même si ce n'est pas voulu. Mmh. Mais il faut aussi savoir une chose que, juridiquement parlant, L'enfant, même si c'était voulu de faire l'acte avec euh, un, un adulte, mm. c'est toujours considéré comme un viol. Parce qu'on va dire que l'enfant était curieux ou vous l'avez forcé la main. Oui. Il y a seulement ces deux possibilités. Justement, parce qu'à ces âges-là, à partir, je pense, à l'âge de la puberté, mm -hmm. l'enfant n'est pas assez mature. Ouais, on dit souvent que l'enfant les fera par curiosité. Donc, vous l'avez manipulé. Exactement. Et ça sera normalement pris comme un viol. Mais dans mm -hmm. les sociétés ici, à, on peut dire les, les, causes, euh, les, les causes du mariage précoce, on prend la pauvreté surtout. Ouais, ça mm -hmm. représente un énorme facteur et y a, y a, y a, en tout cas, il y en a beaucoup. En, beau. ouais, hein, en, en grande partie, c'est la pauvreté. On peut dire, en grande partie, c'est vraiment la pauvreté qui est... Mais il y a aussi les croyances. Les croyances. Hein. Les croyances mm -hmm. beaucoup, à oui, il y, la y a, culture, a la culture. Il y a la culture justement quand ils, voient, ils pensent que chez eux... Non, pas, quand ils ont, par exemple, des dieux, ou bien, je sais pas moi, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas qu'un seul, on ne pensait pas qu'il y en avait qu'un seul, il y en avait oui. plusieurs, oui, différentes oui. croyantes se disaient que non, non notre Dieu permet à ce que, oui. donc, les enfants doivent, nos filles doivent se marier avant. Et à part euh, les croyances, il y a vous aussi euh, l'inégalité des sexes. donc ça, ça a commencé depuis, depuis. Ça, depuis, Depuis longtemps Bien depuis sûr. longtemps, depuis oui. très très longtemps, on voit ça, mais heureusement que ça commence maintenant à changer. Et à part euh, l'inégalité des sexes, il y a aussi les le normes sociales. On voit déjà euh, le standing, par exemple, de la famille. Tu vois, oui. par exemple, c'est un homme riche qui demande euh, en mariage ta fille Donc une famille noble, et vous, vous qui êtes une famille, je ne sais pas moi, euh, pauvre, pauvre, voilà. Du coup, quand, quand un homme riche demande ta fille en mariage, qu'elle est euh, je sais pas moi quel âge qu'elle aime ou pas, en tout cas, elle est contrainte de l'épouser. Et c'est quelque chose de mauvais parce que cela euh, porte aussi euh, des préjudices à la santé, non seulement ma mentale, mais physique aussi de la fille. Bien sûr. Beaucoup Bien de sûr. gens ne le savent pas. Hein. Oui. Ça, 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 on, ça vraiment apporte vraiment beaucoup de, de quoi. Parce que déjà, si les on regarde, par exemple, à l'âge des 15 ans, mmh. on voit que la fille n'a pas encore fini les cursus, les cursus des, des, mmh. des. Oui. C'est l'humanité en fait. C'est voilà. tout ce qu'on est en fait. Aussi. Déjà avec, euh, avec cet âge-là, à 15 ans, mm. la fille s'est mariée. Déjà d'elle-même, de, elle aura honte pour d'abord venir à l'école. Mm. Oui. Quand, quand déjà elle a honte, psychologiquement, déjà ça l'affecte. Oui, oui. Elle aura honte. Soit elle va en de tout moler. Eh. <laughs> ouais. a... On va commencer à provoquer. <laughs> du coup, il y aura seulement. Euh, je peux dire quoi Il y aura de différence. Il y aura toujours une différence qui va se mm. faire entre elle et les, et les autres. Donc, elle ne va pas se sentir à l'aise. Ça. Du coup, elle sera obligée d'arrêter. Mm. On a Katina en classe. A ouais. Katina, non. Ouais. A Katina, Katina la... c'est fini. Rien à noter, mais c'est fini. C'est pour du bon. Parce que là, ouais. Mon... Et ça un handicap. Oui, c'est ça. Et après, tu es là, tu es dans un mariage, mais à ta papier. Oui. Ni alors... papier, ni diplôme et uh -huh. tout. Ouais. Mais ces problèmes aussi. La plupart des cas, on accepte de les faire. On ne tient pas compte de, de la volonté de la fille. Mm. Voilà. Par exemple, vous la contraignez à, à contracter un mariage. Oui. Mm ses mariages après, mais où sont ses projets de vie, tout ce qu'elle pensait faire dans sa Vous vie. Vous le mettez où Vous le mettez où Et des fois, lorsque même elle continue les études, elle va se sentir limitée, elle va se sentir surchargée. Donc ça. elle sera obligée de sacrifier ses études et revenir au ménage. Et c'est ça les problèmes. Oui, c'est ça. C'est un énorme problème, un énorme handicap. Comme on dit, la pauvreté, euh, c'est genre l'une des causes. Qui, pour lesquels les parents peuvent contracter le mariage précoce pour leurs enfants, mmh. mais aussi euh, on peut dire c'est une conséquence l'effet de ne pas finir de ne pas continuer son cursus scolaire et tout Bien finir sûr. tout ça c'est on peut dire c'est la conséquence on peut dire la première conséquence même euh, du mariage précoce Mmh. À part euh, le fait que ça ait des conséquences euh, physiques Physique et psychologiques, et oui, oui. tout ça, mais il mmh. y a aussi cette contrainte-là de ne pas pouvoir euh, effectuer son, culture, son cursus scolaire, scolaire cor voilà. correctement. Mmh. Et ce n'est pas de bien. Déjà, on parlait aussi euh, du, du, quoi, de... du mariage précoce, on peut dire comment qui affecte le mental et le physique de la femme, parce que, à cet âge-là, l'enfant, on, 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 dit même pas la femme, on dit l'enfant. L'enfant, mais oui, l'enfant. C'est l'enfant. 14 ans, 13 ans, 14 ans, même 17 ans. 17 ans. 17 ans. juridiquement, quelqu'un qui a 17 ans et 364 jours. <laughs> c'est un enfant. C'est un enfant, c'est un mineur. C'est un enfant. Même s'il reste un jour. Même s'il Il n'est pas encore accompli. il S'il mourrait aujourd'hui, juridiquement, il est mort à 17 ans. Il est mort à 17 ans. Il n'a pas 18 ans Il on a arrondi je, je sais pas c'est quoi, chez la nous, chez nous on, a, on, a, on a souvent tendance à arrondir. So, Abote-moi des... en novembre. Donc, Donc, on ça, déjà septembre. septembre. Un bon, mathématiquement aussi c'est possible. Mathématiquement c'est possible, mais. Moi, mais... Là c'est pas la mathématique. Ouais. Ouais, Là c'est pas le cas de la mathématique. Mm. Là on est dans. Je peux dire qu'on est dans la science. Mm. Dans la science on est dans. On est quoi dans, Je peux dire c'est quoi ah, Le nom m'échappe. Voilà. En biologie. En biologie c'est ça. Oh on est en biologie, c'est pas que non. En mathématiques, oui, quand on regarde mmh. l'année, l'année de naissance et euh, l'année actuelle, oui, on veut voir, il y a 18 ans. Mmh. Quand on vient dans la biologie et tout, des infraction D'ailleurs, même, c'est pas les jours de l'ovulation, tout ça. <laughs> D'ailleurs, c'est même pas ça. Chez le Coréen, par exemple, ah. chez eux, on calculait le jour par rapport au jour de l'ovulation. Par mm. exemple, le, le joueur euh, du Tottenham, Heung-Min Son, mm. on dit qu'il a perdu une année. En vrai, il n'a pas perdu une année. Comment ça, il a perdu une année? Il a <laughs> perdu une année. Tu sais, c'est comment? Comment? Il avait 31 ans. Mm. Selon les normes coréennes, mm. Mm. il faut, euh, donc, ton âge dépend mm. du jour de la Bien sûr. Donc, il avait 9 mois, 9 mois de plus que son âge. Oh. Donc, après, quand on a euh, revu ces normes-là pour les mettre <laughs> dans une norme voilà. internationale, et c'est là maintenant qu'il a perdu une année pour avoir 30 ans. Do donc il avait 31 ans. <laughs> <laughs> Là-bas en Corée, il voilà. n'y a que des. Comment ils peuvent arriver à calculer jusqu'à ce genre <laughs> de choses Voilà, donc... bon, chez eux, c'est comme ça. Hein. C'est ah. culturel. C'est culturel. C'est comme ça, donc. On ah. ne peut pas les changer. Ah. C'est comme ça. Voilà pourquoi je dis la culture influence. Et hmm. aussi, euh, la culture influence, il ne faut pas oublier la religion. La religion aussi influence. Il y a certaines religions ou Certaines croyances mmh. ancestrales, par exemple, il y avait à l'intérieur les, les gens qu'on appelle les babas. Okay, C'est ces Baba. mmh, ouais, quoi? <laughs> Je okay. sais que vous pouvez marier un mineur, ça va, avoir ça plusieurs passe. femmes, ça passe. Oui, là-bas, ça passe très les bien. Les croyances religieuses influent aussi sur le fait que les enfants se marient précocement. Et la mmh. plupart des cas, on marie des jeunes contre un vieux qui peut avoir même l'âge de son père ou plus que l'âge de son Vraiment. père. Attends. Un espérant qu'il va mourir avant. Donc, c'est juste ouais, un, voilà, un espérant, espérant qu'il va mourir <laughs> qui avant. Tout ça avant pour avant récupérer que... l'argent. Mmh. Ah, c'est ça, ça. Ou peut-être que la fille pourrait se remarier avec quelqu'un de son âge. Et, ah. et avoir cet argent Mais de mais tout, tout, toute façon, c est, c est, on peut dire... Alors, je me demande un, un truc. Mmh. Et si votre enfant mourait avant le vieillard Bon, question. Vous allez dire que c'est le vieillard qui a bouffé. Vous voyez maintenant le dire ça. Le vieillard a bouffé l'enfant. Voilà, le vieillard a bouffé l'enfant. Si l'enfant... Si l'enfant est mort avant le vieillard, le vieillard a l'enfant. Et puis quand le vieillard si euh, est, est mort, c'est normal. C'est normal, alors il était déjà vieux. Ah ouais, Ça, c'est quel contexte Mais qui les a Afrique dit qu'on ne pouvait pas mourir à 20 ans qui, qui a dit, a dit, qui, a dit qui, ça Qui a vu les nouveaux-nés qui, qui partent Mais jours, non, aujourd'hui, après si deux jours, temps, temps, ils sont si ton temps, va. Temps, si ton temps est arrivé, tu pars. Il y a ceux-là pour qui, par exemple, comme tu as dit, les nouveaux-nés, ils devaient seulement faire trois jours sur terre, par Mais il y a d'autres qui ne font que quelques heures. Quelques heures seulement. Il vient sur terre, il ne fait que trois heures. Après trois heures, il est mort. C'est ça Oui. Donc, mon donc le on a pas les, les Là, je m'adresse à tous les vieux, donc on va sauter. Mais le plus ouais. mourir. Ma, ma pépé. <laughs> non, j'ai évité. Non, j'ai évité jusqu'à 90. Ah, mais ici, à okay, Kid, on peut dire que c'est interdit. Mais est-ce qu'il y a des organisations euh, qui, euh, on peut dire, essayent vraiment de, de combattre euh, oui. ce mariage précoce il, oui, y a. il y a de, en, 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 en Oui, il y a, y a des organisations En RDC Oui, il y a des organisations. D'ailleurs, j'ai connu... Une sœur de l'église qui est derrière Fénon en communication Lupin, okay. qui s'occupe de ça. Okay, de elle, ce est genre de elle est de souvent. De mariage précoce. Et... Donc, elle, 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 elle parle dans son organisation. d'organisation. Elle est là pour défendre, défendre ces filles Défendre le droit qui... des, 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 de la femme. Des de l'enfant, plus particulièrement de okay. la jeune fille. Mmh. Donc, souvent, c'est ça. Donc, elle parle souvent du droit de l'enfant, du mmh. le droit de la femme, et plus particulièrement du droit de la jeune fille. Donc, la petite fille. Vous savez, les filles, lorsqu'elles grandissent, elles sont souvent vulnérables. Oui. Elles ne souvent. se contrôlent pas. Là aussi, vous avez 20 ans. Là, vous pouvez vous contrôler psychologiquement. Mmh. Émotionnellement. Mmh. Mais un enfant qui a 13-14 ans, il cherche mmh. d'abord à se retrouver. À se retrouver, à se, à se positionner, d'abord à, à se connaître lui-même. Hein. D'ailleurs, vous verrez même les, les jeunes garçons, vous verrez comment il se comporte. Oui, on voit ça. Il la est, la est perdu totalement. Mmh. Oui, oui. C'est comme s'il était dans la bipolarité. Ouais, mmh. Dans, dans cet âge-là, on, on se cherche un repère. Oui. ça. On se cherche pas trop Et si tu regardes un exemple à ma BOP, au quoi, il m'a Oui, automatiquement, vous êtes influencé. Déjà, je non, sociologiquement Si vous avez raté cette période-là De mmh. votre enfance mmh. C'est votre vie qui sera impactée et affectée okay. Donc si vous n'avez pas pu Vous maîtriser, vous contrôler Par exemple, vous avez quelqu'un qui est chorale de jupon Si pendant cette mmh. période-là, il est resté comme ça Il n'a pas pu se positionner toute sa vie C'est fini C'est Donc on peut dire que cet tout, âge C'est un âge primordial Dans la vie humaine Toute ta vie est impactée Non, c'est ceux-là qui ont raté Ah non. Là, c'est la souffrance des meilleurs familles. Bon, Qu'est-ce qu'on On, qu on fait? peut voir, hein C'est ça. les gens hein? qui ont raté. C'est la, la, la souffrance. Ça sera la difficile famille. pour eux. Ça, 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 ça sera ça, difficile ça va, pour... ça va vraiment affecter la personne. Bien Et sûr. Et puis, quand sûr. on dit que euh, nous étions ceux qui étaient un ami moyen à cause de nous, ça passe. Quand tu forces, la branche P, P, peut se briser. Peut briser. Oui, c'est pendant mois. cette période-là que la personne devient comme un arbre. Soit fait ça, soit tu fais ça. Maintenant, c'est aux parents de les faire. Oui ah, justement. On Mais bien. donc à cet âge-là, vous livrez un enfant au mariage, bon. à tabou. Assumer bon. les conséquences C'est ça, on peut dire ce sujet est vraiment une leçon de vie et une leçon aussi pour les parents en tout cas, ils devaient apprendre à vos enfants déjà à ce jeune âge là d'être des repères pour vos enfants, bien et sûr. Pour un des points d'exemple pour vos enfants, que vos enfants apprennent de vous. Et non que vous montrez à vos enfants des mauvais exemples ou bien vous les montrez vers, vous, le, vers le, vous les dirigez vers des mauvais chemins. Mmh. Ça les portera pré préjudice en, euh, plus tard, on peut dire. Et c'est quelque ça. chose que nous voulons pas. Hein. envoyer les, les filles, surtout les filles avec, euh, on peut dire, l'inégalité des genres. Vous, vous prenez votre fille qui est si jeune, mature, qui a de l'avenir devant elle, on peut dire. Mmh. Et euh, aujourd'hui, elle part se marier. Moi, je pense que il y a un âge parce que nous sommes encore jeunes, les mmh, mamans, sûr, par oui. exemple. Les mamans ah, nous encadrent oui. à partir d'un certain âge quand on grandit. Euh, il y a l'âge de, de l'enfance, on peut dire les étapes de la, de, de, de la vie humaine l'âge mmh. de l'enfance, et puis on avance euh, la puberté. La puberté oui. Et à partir de la puberté, on peut dire jusqu'à l'adolescence il y a cet, cet âge-là où c'est que comme Submim, décisive dire, voilà. Mmh. Oh, L'étape on... des turbulences. Ouais. Là, Et là, on devait là, serrer. Là, les en ce moment-là, c'est la, quand l'avion traverse, traverse les océans. À Voilà. Il y a si, turbulences. Si, si, si. C'est ça. Et justement, là, 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 on doit serrer vraiment les enfants. Et à ce, après cet âge-là, il y a l'âge adulte. Quand l'enfant devient maintenant à, à 18 ans, il, a, il, il atteint cet âge-là. C'est plus maintenant question de dialogue, moi, je pense. Non, ouais, là, ouais, parce qu'à ce stade-là, c'est. C'est déjà, je peux dire, c'est les stades final. Oui. Les stades final. maintenant adulte. Oui. Là, maintenant, il, a, il faut savoir tu parler. Fait voir, tu l'as fait comprendre. Est et c'est au, aux parents maintenant de savoir parler à leurs enfants. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de dialogue entre parents et enfants. Bon, oui. en fait, oui. en Afrique, a pas en de Afrique euh, sur, surtout au Congo, nous avons plus des parents dictateurs. Mm. C'est qu'il veut, c'est ce qu'il va se faire. Or qu'il y a d'autres décisions à un certain âge. Il faut parler à l'enfant. Il faut échanger. C'est pas que non. Ça, on le non, et puis tu vois, parce qu'à cet âge-là, si vous imposez à l'enfant, il va faire ce qu'il veut, il va maintenant vous prouver. Il le quoi au qui là, tu c'est ça, vu qu'il sait déjà que j'ai déjà l'âge, je m'en fous, il peut faire n'importe quoi. Tout ça, les parents ont à la moto cet enfant est malédique, c'est votre faute. Et puis parlons des dictature, il a certains parents qui aussi qui ont le contrôle sur les relations amoureuses de leur fille, par exemple. Il dit euh, « Maman, regarde, yeah, blah, blah. il va le fiancer. » Et puis il dit « Non, pas lui. » Il change. Oh. Pas lui, il a change. a changé. Maman a changé mon thème oh, Je ne sais pas. Parce que c'est elle qui aime. Parce oh. que c'est elle qui impose. Oh, fait, elle euh... Parce qu'elle va donner la raison que « Je suis ta mère, Donc, je connais ce qui est bon pour toi. » Ce qui est bon pour toi. On ne refuse non. pas les parents ont une vision plus, plus, plus avancée que la nôtre. Mais il y a certaines décisions qu'il faut plutôt et imposer. Et oui, voilà. dans certains domaines aussi. imposer Oui, dans certains domaines. C'est comme dans le domaine du cœur. Là, j'ai ah. fait un, un, une petite anecdote. Dans mm. le domaine du cœur. Peut-être c'est que la maman a rencontré. Mm. Je peut dire qu'il une bonne personne est comme ça, comme ça. Mais c'est que la fille va rencontrer. Ça sera différent. Ça sera autre. Ça sera différent. Et le mal maintenant, c'est quoi Je ne refuse pas. Hein, la mm. maman est là pour essayer un peu de, de recadrer la fille et tout. Mm. Mais. Sans, hein, sa fille. Peut-être que l'homme que sa fille est en train de côtoyer n'est pas la même qu'est qu mm. qu qu le papa. Oh non, le comportement, là, c'est qu'un oh. exemple tout m'a béillé. Oh, okay, c'est un comportement, papa, un exemple. Nous tous, ça n'a pas le même comportement, ça. vous voyez. On voit ah. ça. Mais tout ça n'a pas le même comportement. Il y a d'autres personnes, qui se comportent comme ça, mais c'est une bonne personne. Mm. Ils sont avec <laughs> il oh un caractère. Oh non, oh, ils bien été, il n'ont pas d'avenir. Comment ça, comment nos parents sont des génies? Non, en fait, c'est oh. l'expérience. Bon, c'est l'expérience mais des fois l'expérience trompe. L'expérience trompe. trompe aussi. Oui. Parce que eux ont vécu avant nous, ils avaient le même âge que nous, ils s'est comporté comme nous. C'est comme certains parents qui disent à aux enfants non, mmh. pendant les examens, ne courez pas, restez mmh. à la maison, ça ne sert à rien. Écoutez-moi. Si les parents avaient le même âge que les garçons, ils allaient fêter ils allaient se sortir à l'extérieur. Parce qu'eux ont grandi, ils ont compris que ça ne servait à rien. Servait à rien. Si vous vous rappelez des certaines choses qu'ils avaient fait quand vous étiez jeune, mmh. vous dites, ah, ça ne servait à rien. Mmh. Parce que vous avez grandi, vous avez pris mmh. l'expérience. Ils mmh. aussi on connu certaines relations, ils ont été déçus, ils se sont relevés. Mais... Et puis ils ont compris certaines choses de la vie. C'est vrai que vous avez compris certaines choses de la vie, mais ré... ce serait mieux de m'orienter que de m'imposer. Vous ne trouvez pas ce serait mieux que tu auras ce que les médias c'est ça non c'est mieux la dictature. La dictature. la dictature certains parents éduquent éduque leurs enfants avec la dictature parce que mmh. selon eux ils jugent bon que leurs enfants grandissent comme ça lorsqu'ils vont grandir mmh. ils vont comprendre le pourquoi leurs parents agissaient de cette façon mmh. non mais moi je pense pas Je ne pense pas ah. Ah. moi je moi, je si oh, chacun je, donne son éducation en tout cas moi j'aimerais pas qu'on décide à ma place non, un à a un, un, certain un certain âge, oui. À oui. un certain âge, je dois Mais prendre des décisions tout de suite. Je sais que je suis mature, je sais que j'ai grandi. Je suis capable, déjà, je, je, tu peux faire les choses par toi-même. J'ai mmh. oui. besoin, oui, des conseils. J'ai besoin d'orientation, mais je ne voudrais pas qu'on vous fassiez, vous fassiez des, des choix à ma place. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Malheureusement, je ne voudrais pas faire mm. ce que vous m'imposez. Si c'est mal, je vois que c'est mal, je ne le fais pas. Oui, en, en tout cas, lorsque vous êtes déjà majeur, on ne peut pas chez eux à votre place. Mm. C'est voilà. totalement inadmissible. Mais on le voit ici. Ah. Au Congo. Il y a des gens qui en sont. En Europe, ça. tu verras un enfant, euh, je ne sais pas moi, enfin, un, un jeune, aller Bien. discuter de tous ses problèmes avec ses parents. Bien sûr. Tranquillement. Il a un problème quelque part, il appelle. Non, maman, j'ai fait une bêtise. En fait, oh, tout, tout, tout commence quand l'enfant est jeune. Par exemple, si vous voyez en Europe quelqu'un qui a, par exemple, 15 ans, eh qu'est-ce qu'elle va dire On au bon oh, Votre à ton 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 à à papa, votre <coughs> papa, qu'est-ce <coughs> qu'il va dire En fait, quand tu <coughs> présentes, si la maman hein, entre à la maison, la fille doit sortir. Là, je vous <coughs> jure. Nos <coughs> mères, là, je vous jure. Sérieux. Quand déjà vous présentez une fille, votre maman, et que vous n'avez pas encore l'âge, à vous hein. et, et, et puis euh, par exemple chez les garçons ça va maintenant ça une va, fille qui part pas <laughs> à sa mère non mais un da, regarde d'abord à ce qui par exemple un message un téléphone bon c'est ah bon c'est si tu tu viens ici c'est qui c'est qui il habite où il habite où il fait quoi même pas même pas message mais quand on, tu va le vois, il... on va lui le voir on va le voir voire même si vous avez des parents un papa colérique qui t'aime, le toucher commencer à le gifler il va, il va sentir c'est <laughs> c'est tu vois là c'est pas ce ouais. que vous savez, ils ont inculqué la peur à l'intérieur de de, de de la tête ou bien des pensées de l'enfant et l'enfant a le se oui justement peut-être il a un problème qui le dérange il va plutôt partir se confier aux amis les amis aussi qui n'ont pas d'expérience bon, qui vont tout être voilà pourquoi il bon, y a deux fois aussi je ne condamne pas les enfants tu mmh. vois il y a certains problèmes là un peu en embarras des choix mm. mais il a peur d'aller aborder ses problèmes avec les parents mm. il sait qu'un autre sur laquelle pas parents il gangue là ils vont faire ceci il a peur et il, du coup il elle va aller chercher euh, une amie non j'ai des problèmes ceci et l'ami va lui va va la conseiller peut-être en elle. mal oui on a fait ça fait ces... yeah, yeah, ouais, ça. Et ces et ces et voilà c'est l'autre expérience c'est long ces expérience mais or c'est c'est ce genre de problème là devait être présenté auprès aux parents. parents. Mm. Ça. Les, les enfants grandissent avec cette peur et vous verrez, c'est toute euh, leur euh, jeunesse lorsqu'ils vont grandir, lorsqu'ils vont quitter la maison des parents. Et mm. si ils ont grandi avec cette peur, ils risquent même d'inculquer la même peur à leurs enfants. Enfant donc on ça. devient vraiment, c'est que euh, donc l'éducation que nous avons reçue. Mm on les transmet. Donc on dit qu'on donne qu'est-ce qu'on a. Oui, c'est qu qu la peur que nos parents nous, nous ont transmis. transmis. Voilà. Et nous aussi, si on ne prend pas une décision radicale pour dire qu'il ne voudrais non. pas que mes enfants soient, soient comme ça, on va les transmettre on aussi. On va ça. ça vice bon, versa. Bon, bon, de donner un conseil, c'est si on veut, aux parents. Par exemple, vous, nous sommes des futurs parents, on sait qu'on le sera. Et au futur, moi, je ne pense pas qu'on referait les mêmes erreurs que nos parents. Hein. Dans le ouais, sens que non, moi, j'apprendrai à discuter avec mes enfants. J'aimerais que mes enfants soient mes meilleurs amis. ça. L'enfant, s'il a un problème, comme je vous ai dit, en Europe, l'enfant va clairement dire que ah maman j'ai fait une bêtise il va, il va être clair mais l'enfant congolais va dire quoi nous papa et puis il va jamais dire la vérité et puis la deadline par exemple quand papa dit rentrer à 19h19 c'est 19h, 19h, yeah. 19h. à 19h déjà déjà à 18h à 18h50 si tu es quelque part tu trembles imagine est déjà là va <laughs> déjà là à la maison il va faire l'effort de revenir à temps il va faire l'effort de revenir à temps bien sûr si elle savait que non ma fille était sortie Papa peut revenir déjà à 18h, il est il à la maison. Il n'aura pas confiance à la maman parce que la maman va dire qu'il oui, pourrait protéger l'enfant. Non, non, bien ça va le protéger l'enfant. Il n'aura pas confiance. Donc, lui-même, il, il va venir voir. Imagine, vous êtes déjà étudiant, mais votre père continue toujours avec ce genre d'habitude. Oh, je dis, Et bien bien, quand, quand qu on a vu, on va contrôler. Voilà. Quand papa sera là, la fille arrive à 18h58, papa monte. Si oui. tous si nos parents sont, 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 sont des maîtres, je eh, serai bah, les dents. Tu vas voir, avec, il est là avec, avec, avec sa montre. Alors, t'as les Et puis, il t'attend à la véranda. Mais, porte d'entrée principale. Mais, porte d'entrée. <laughs> il y a quelqu'un qui a dit qu'un jour, on risquera de devenir comme nos parents. Bien sûr. Parce que nos parents étaient comme mm -hmm. nous. Et nous aussi, on peut devenir comme eux. Mm. Oui. Parce que lorsqu'on grandit, il y a même un parent qui nous a dit un, un jour à l'église que je ne peux pas vous confier mes enfants comme ça. Parce que lorsque vous êtes parents... Vous développez une autre façon de raisonner. Vous ça. réfléchissez différemment. Mmh. Vous devenez surprotecteur. Et c'est comme ça que nous aussi, un jour, on peut devenir comme ça. Ah. On n'est pas loin de ça. Ouais, on n'est pas, pas loin de mais ça, pas pas loin mais, mais c'est un peu de ne pas faire correctement. Comme non, comme nos parents. Faire. les enfants se comprennent les choses euh, de leur abusivement. Mmh. Mmh. Un peu de liberté et puis ils l'abusent. Donc il faut un peu des restrictions et un peu aussi. Bon, ouais, les, je vous comprends. Je ne demande pas. On demande pas aux parents d'être de, de trop, trop relax. Non. Il faut, mmh. il, faut mettre la, il faut mettre la rigueur, mais il faut savoir à, à, quand est-ce que le mettre. Oui. Il, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour non, tout avec exactement. ces temps, oui, je sais que non. Là, un certain temps-là, il faut, il, faut il faut vraiment, vraiment... agir et tant que parents. Mais à un certain temps, tu es là, relax. Tu, tu es en train de mais tu, tu blague euh, et tout. Imaginez que l'éducation que les ouais. parents occidentaux donnent à leurs enfants, mmh. qui ont prévenu, on les donne aussi à nos enfants. Ça, ça donne quoi? Non, là, il y a, 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 a deux cultures y a, différentes. Il y a toujours, ce il y a l'Europe, l'Occident et l'Afrique. Maintenant, nous, différent. maintenant, on comprend les choses différemment. et mmh. on comprend les choses de façon... Tu vois, chez nous, quand on voit cette manière d'éduquer les enfants, mmh. chez nous, ça ne peut pas passer. Donc, Jamais. C'est comme si, quand, blancs, quand un enfant dit à son père, non, papa, tu n'as pas le droit de me faire ça, blablabla... Bla, bla, bla droit de l'enfant. Droit de l'enfant. Eh. Mmh. va même mmh. Yann, c'est ce qu'on avait arrêté pour ça. Mmh. Bien sûr. Oui, a on a arrêté ça on pour veut. ça. Là mmh. il a, 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 a connu son enfant parce que l'enfant avait tort. Oui. Donc on doit les récadrer. Oui, oui. Mais j'ai dit la balance lorsque vous donnez à votre enfant à qui au fond la justice, à qui faut de la justice. Ou peut-être l'enfant il... n'a pas euh, n'a pas porté plainte, mais mmh. vos voisins. Bien sûr. Oui, oui. Portent plainte. Donc porte plainte contre vous pour maltraitance. Maltraitance par rapport à quoi je vous C'est comme ça qu'on dit. Quand vous frappez votre enfant, c'est considéré mmh. comme maltraitant. Quand vous, maltraitant pourquoi vous avez frappé votre enfant, qu'est-ce que vous pouvez dire que l'enfant ne peut pas retenir Ah <laughs> t es, t es, bah On dit, hein <laughs> Tant que l'enfant ne comprend pas, ne peut pas, il ne peut pas écouter, nous on comprend que c'est l'éducation. Bien sûr, mais là-bas, c'est là 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 le contraire. Là-bas, le, là le, là le droit de l'enfant. La liberté là bas l'enfant a, a, a beaucoup de droits. Y a pas de problème Votre enfant peut vous mettre peut vous mettre à garde à vue pendant mais cinq jours. Où ils où il mettent les devoirs de l'enfant. Ah, là maintenant, ça ça ça, ça a eu de. Pour l'enfant c'est <laughs> un être vulnérable c'est un être qu'il faut protéger donc. Ouais. Là c'est droit. Mais il a besoin. En en pas, pas ses devoirs. Si l'enfant a besoin a besoin de ne le refuse pas mais quelque part aussi moi je suis contre la culture étrangère. Non, moi, moi, moi j'ai toujours été quand En quelque comme sorte, sorte. Ah. parce que là-bas, il y a plus de liberté. Oui. Il y a plus de liberté. Trop de liberté. Voilà. ça donne libertinage. Voilà, et deux fois, c'est pas bien. À un certain âge, vous allez voir, l'enfant décide de quitter ses parents à 18 ans. Je m'en vais. Elle, il part. Elle. Je m'en vais, je okay. pars. Cette manière d'éduquer oui. ses enfants avec cette éducation a vraiment coûté à Will Smith. Ouais, Selon avec, lui, avec son, ses enfants avaient des ses droits. Ses enfants, parce, voilà. parce que mmh. quand tu es un, un, un être humain, mmh. tu es capable de prendre des décisions, mmh. tu es capable de faire de ta vie ce que tu veux. Mais aujourd'hui, il dit que quand je vois mes enfants, je suis content qu'ils soient célèbres. Mmh. Je suis content qu'ils gagnent leur vie eux-mêmes indépendamment. Mmh. Mais, Mais il s'est dit, <laughs> ce qui s'est passé, ce n'était pas bon pour leur éducation. Mmh. Ça a vraiment détruit. Cette façon d'éduquer les enfants ah. en leur donnant la liberté Elle Imagine, bien Son garçon a pris une maison à 14 ans. À 14 ans, il a pris une maison à lui-même. Il a de le la drogue excessive et tout. Oui. Un, un temps, il avait vraiment perdu la santé. Il l a perdu, de la, la drogue santé. excessive. C'est le dernier temps qu'il commence à un peu, peu récupérer. Sa ah. fille et son fils... En fait, vraiment tapé. Perdu. Et 14 ans, tu prends les avis et quitter la maison. Mmh. Voilà, ah, c'est ça. Voilà. Donc, il y a, on... y a vraiment une différence. Divergence, divergence des, des... Culture. Voilà, divergence des Juste cultures. Bon, on ne peut pas mélanger. Es, on, peut, on peut dire une petite parenthèse. Hein. Oui. Est, on sommes en train de parler de, du mariage précoce. Et j'étais en train de dire qu'après euh, l'âge de l'enfant, l'âge de la puberté, la puberté je peux oui. dire, où l'enfant a vraiment besoin d'être serré, d'être encadré, d'avoir un menteur et un exemple, il oui. hein. y a cet âge-là, on peut dire à partir de 18 ans. Jusqu'à ce que l'enfant, je sais pas moi, ait un âge où il sera assez solide pour lui-même, oui. où les parents doivent maintenant être des conseillers. Ça. Et surtout pour les filles, vu qu'on parle le plus les mariages précoces euh, par rapport aux filles, oui. les mamans doivent vraiment être des grandes conseillères. Les, 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 les prépa... Donc, ils doivent préparer leurs filles au mariage maintenant. Parce que quand tu as 13 ans, on va te dire quoi par rapport au mariage Lamba, kombolandaku, et puis. <laughs> tu n'as pas de diplôme, tu <laughs> n'es ni... Parce qu'il y a des enfants, tu auras des enfants, tu dois les éduquer. Voilà, il voilà, y a ça. Toi, tu pars au Kéobo, tu en as 15 ans. Bah tu il y a, bah, bah a des à attends, oh, attends papa. tu n'as pas d'éducation. Ça va détruire l'éducation. Oui. On voilà. transmet qu'il qu'on a... Mais voilà. justement... Voilà. Et maintenant, vous, vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous qu que allez transmettre Des avantages total. Et puis, tu vas voir comme ça, pas bah, dans la famille Maïl est Bazati. Bien sûr. On va dire quoi. Donc justement pendant cette époque, cet âge là, on peut dire de 18 jusqu'à plus ou moins, à ce que jusqu'à ce que la femme elle marie oui. la mère doit vraiment être une conseillère pour sa fille. C'est ça la conseillère numéro 1. Numéro 1 Tant, tant que l'enfant est encore chez sa mère. Oui. Elle doit elle toujours doit, être. Elle doit tirer de conseils, elle doit tirer vraiment tout ce qu'il faut parce que sa mère s'est mariée avant elle. Mmh. Supposons, parce que y a ces méthodes-là des mariages précoces, on les a vues en plus dans les villages. Mmh. Mais ici, par exemple, à Kin, on a des parents qui se sont mariés par amour, on peut dire. Mmh. Ils ont épousé l'homme, les, les, qui la femme, elle a épousé l'homme qu'il voulait. L'homme a épousé la femme qu'il voulait. C'est comme ça qu'ils sont mariés. Et c'est aussi l'exemple, peut-être, qu'ils donnent à leurs enfants Comme tu as dit, on donne que ce que l'on a. Voilà, ça. Et euh, les parents ayant fait ce, cela. Ils feront aussi ainsi pour les enfants, ils aimeront aussi que ça soit comme ça. Ouais, ils et puis, un parent qui, euh, qui s'est marié mmh. après 18 ans, mariage coutumier, euh, civil, mmh. tout ça, il faudra à ce que sa fille aussi et ses garçons fassent aussi la même chose. Parce qu'un oui. parent ne voudrait pas que. Moi, je me suis marié légalement, je me suis marié avec euh, toutes les normes et puis mes enfants et comme il il y a, il y a les gars à engrosser mmh. la fille s'est fait engrosser ça quel parent voudra Des dire honneurs. Ça? donc sûr. il voudra vraiment maintenir ses enfants dans cette logique là mmh. donc tu finis tes études donc tu es calé ouais. donc c'est comme ça. ça. Voilà, c'est ça. L'encadrement. Euh... Mm -hmm. Que ce soit même pas, même pas seulement la maman, mais aussi euh, le papa. Et puis, les églises et les écoles aussi, ont aussi leur mission. C'est ça. ça. Vraiment. Parce qu'on peut dire, la maison, c'est un lieu d'éducation, mais l'église, l'école contribuent énormément. Vous savez, énormément. les parents ne connaissent pas vraiment ce que les enfants savent. <laughs> ou bien ce que les enfants font. Je <laughs> vous ça, jure. Oui. Les enfants ne savent pas. Maintenant, extérieur. à l'extérieur, par exemple, comme à l'école, à l'église, les enfants sont un peu plus ouverts. Dans certains sujets, par exemple les enfants sont un peu plus ouverts lorsqu'ils sont à l'extérieur. Donc les écoles, les églises ont aussi la mission d'éduquer les enfants. Par exemple, les écodimes, les écoles du dimanche, dans les églises, oui. lorsqu'ils encadrent les enfants, qu'ils n'aient pas en dessous, qu'ils ne prennent pas ça comme sujet tabou, mmh. d'aborder des sujets pareils envers les enfants avec mmh. les, les jeunes filles. Surtout. Parce que souvent, à l'écodime, on retrouve d'âge qui varie de 6 à 17 ans. À 17 ans voilà. Voilà. Oui. 6 à 17 ans, donc, les églises aussi ont leur mission. Et là, les écoles aussi ont leur mission. Mais j'aime pas aussi la façon dont certaines personnes, comme les professeurs, donnent cours liés à l'éducation à la vie dans les écoles. C'est plus basé sur la description des faits en, au lieu de, de faire une analyse. Et puis, c'est euh, un peu de faire comprendre aux enfants que lorsque, bon. uh -huh. lorsque vous faites ça, c'est pas bon. Lorsque euh, vous faites ça, c'est bien. Mm. Donc, les écoles, par exemple, de certains professeurs. Il n'a pas des tabous. Vu que lui, il n'a pas des tabous dans ses dires, il va aller loin, il va commencer à sortir certains mots désobligeants, mmh. certains mots qui, euh, qui, qui font rire les, les enfants. <rire> Mais sûr. en vrai, ça ne construit pas. Ça ne construit pas. Ça fait penser à d'autres choses. Ouais. Mmh. Parce que souvent, ça ne construit si on regarde pas. la manière dont euh, parfois on était à l'école, il y avait des enfants qui connaissaient beaucoup plus que nous, on pouvait connaître. Mais les parents ne savent pas. <laughs> moi à moi moi le mal c'est quoi non, les, non, le, parents les enfants à, ça. à cet âge là l'enfant peut être influencé facilement de l'extérieur mmh. facilement de l'extérieur il peut, il peut être là non faire. surtout c'est l'entourage hein. mmh. l'entourage compte énormément même, même chez les adultes l'entourage compte quand déjà vous ne fumez pas je prends un exemple vous mmh. ne fumez pas mmh. à tout temps, vous êtes avec des fumeurs mmh. je vous jure qu'il y a un jour vous allez fumer un jour il y a un jour que vous allez fumer vous allez toujours essayer ah non, les va bien. Le au boya au au il y a un <laughs> jour. Les mauvaises compagnies corrompent Voilà pourquoi, pour c'est ça. Voilà et pourquoi ben il faut y a un jour au tant au tu restes accro. C'est comme ça. Lorsque nous sommes en société par exemple, on est avec nos potes et boivent par exemple et fument. Moi, je viens, je prends seulement le jus. C'est comme ah. si je te mettais, tu te mettais à l'écart. Yeah. Tu vas mal te sentir. Hey, comment c'était pour les me de toi ouais. Tu voudras tu maintenant les bon rejoindre ouais. dans ça et te ah. retrouver à, à être voilà. à, au même pied d'égalité avec tes ça. potes. Mm. Parce que quand, quand euh, mes, mes amis prennent de l'alcool et que moi je prends seulement du jus, c'est comme, si mm -hmm. si oui. mm. comme si je me mettais à l'écart d'eux. Même s'ils se moquent de moi, oui. J'ai pas accepté parce qu'on entre bien, on se moque souvent. Mais c'est comme si je me mettais à l'écart. C'est comme si j'ai prenais une autre voie. C'est pas pour les rejoindre et maintenir cette relation avec mes amis, bon, je voudrais bon, Voilà, c'est ça, pour, pour le satisfaire, quand même. Ouais. Ça. Et en faisant cela, je me détourne. Oui. Automatiquement, on m'a détourné. Même si tu es bien éduqué chez toi. Automatiquement, euh, c'est ça, pour voir que le milieu influence Influence aussi. Mmh. Et, et un jour, vous vous retrouvez dans des situations où vous ne voudrez pas et vous vous mariez précocement. Ça. Malheureusement. Et c'est ce que nous voulons pas. Donc. Voilà, donc Alors, et avec ça... Il n'y a plus, on peut dire, pas de mariage précoce, mais des grossesses précoces. Ah, ah grossesses précoces. Il y a aussi un désiré chez les un hommes. Désiré. Mmh. Voilà, un désiré. Voilà, hum. La fille, tellement qu'elle elle a reçu des mauvais conseils de l'extérieur, oui. elle se laisse aller par le monde, par exemple. Non, essaye, c'est quelque chose de bien. Essaye, à la maison... Et après, dit, après pas sa pas, copine, on a l'outil d'essayer. Oh, hein. Ah, on ah, s'en il disparaît. Il, il y a un homme qui m'a dit un jour, qui est dans ce monde, il existe, il est David, il est Saoul. Mmh. David, c'est celui... Qui peut tomber dans ça, pas vraiment avoir <laughs> des conséquences directes. Mm. Mais les saoul, toi, tu, les premiers jours seulement, <laughs> tu es mort. Les premiers jours <laughs> seulement. Bien sûr, c'est ça. Ouais. Tu, tu essaies, tu ça. meurs. Ouais. Il y a d'autres personnes. Il est là. C'était. On va bien en expert. Expert. Il est là, il ne tombera jamais. Mais quand tu vas, tu vas essayer, tu tombes. <laughs> tu tombes. Ouais. Tu tombes ça, dans les pièges. Et lui, il va se dire. Il t'encourage. Non, moi, j'ai fait ça tous les jours. On est là, ils nous non, mais c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, ça. Et Laura Moukier, mais ça te crée des ennuis. Hein, lui, il va sauter. Il va sauter, Et puis, à 15 ans, par exemple, les, les filles, nous voyons ça, là, mais ça se voit à Kinshasa. À 15 ans, par exemple, tu te retrouves avec une grossesse indésirée dont tu ne savais pas, dont on ne t'a pas appris chez toi à la maison, dont tu as entendu les conseils à l'extérieur. Tu oui. te retrouves avec une grossesse, donc un enfant. Il y a certaines qui montrent que non, quand l'enfant grandit, de dire que non, c'est pas moi ta mère, c'est la grand-mère. Par exemple, elle dit non. Et je, psa, moi ouais, que... oui, je connais, oui. J tu vois ce genre de choses. Il y a même euh, certains mmh. enfants qui appellent à leur maman yaya. Yaya, ya, voilà. Avec <laughs> la <laughs> <rire> maman yaya, mais avec la maman, y span, maman... P乖... Voilà. Et puis maintenant, tu dis genre maman de la bouteille alors que ce n'est pas ça. Et ça sera un retard aussi pour la, la fille parce que ça va un peu la, la mettre en retard hein, par rapport à l'école, par rapport à sa vie, par rapport à ses études et... Ça sera vraiment quelque chose de très dur. Voilà, c'est ça. Dur, en tout oui. cas, le mariage précoce, nous, nous sommes en train de chuter, en tout cas. Oui, oui. Le mariage précoce, euh, en, pour, en tout cas, chers parents, veillez vraiment à ce que vous ne poussez pas à laisser vos enfants aller à trop tôt. Faites bien attention, veillez sur euh, l'éducation de vos enfants mm -hmm. pendant la période, surtout des pubertés, parce que c'est à cet âge-là que l'enfant a plus besoin de vous, a plus besoin d'encadrement, de, a plus besoin d'être. De, de, voilà, de de se comparer par exemple à quelqu'un de de, 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 de de faire comme quelqu'un et c'est vous qui devez être cet exemple là pour vos enfants. Bien vos sûr. enfants doivent apprendre de vous, de, vos enfants doivent vouloir faire comme vous, mm -hmm. n'est pas vouloir faire les mauvaises choses mais les bonnes choses. Voilà, c'est ça. Voyez ouais, un peu. En tout voilà. cas chers parents, veillez à cela ne voulons plus que ce soit vraiment quelque chose qui identifiera par, par exemple la société congolaise. On dit que non, ah, souvent dans, au Congo on voit le mariage précoce hein. oui nous ne voulons plus que nous soyons identifiés de cette manière-là. En tout cas, nous voulons que la société change, la société évolue. Comme le monde évolue, c'est comme nous voulons que la société congolaise aussi évolue. évolue. Voilà, ça, voilà là, un ça. peu. Monsieur, Evan, Monsieur Sibim, un petit mot de la fin, ce que vous avez pouvez un peu dire. Lorsqu'on n'a pas de repère, on s'épare. Mmh. C'est ça. <laughs> Pendant le monde <laughs> de la hein puberté, l'enfant voudra chercher un repère. Il voudra c est, c est un, un peu euh, se positionner dans... C'est ce comportement. Mmh. Alors, c'est pendant ce moment-là que les parents doivent prendre la responsabilité. Certainement, ça ne se manifeste pas trop chez les garçons. Mmh. Où vous avez un garçon calme et timide. Ça arrive aussi pendant cette période-là et le garçon n'est pas turbulent. Mais chez la fille, ça se ça ça manifeste toujours. Mmh. Ça se manifeste. Si 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, ça ne s'est pas manifesté, 16 ans, ça peut se manifester. Peut Alors, je recommanderais aux parents. De prendre les choses en main. Mm. Si votre fille, vous voyez déjà votre fille avec des allures un peu, euh, vous voyez comme tête être brûleux, mm. c'est le moment de les rappeler. Mm. Parce qu'après ça, vous ne pourrez plus les, les rappeler. Vous ne pourrez plus. Vous parlez à votre enfant, votre enfant ne veut plus vous écouter. Mm. Parce que vous avez, vous l'avez déjà perdu pendant ce moment-là où l'enfant voulait se positionner pendant ce moment-là où l'enfant voulait euh, se, se, trouver des repères. Pour mmh. ne pas se perdre. Et par rapport au mariage précoce Par rapport au mariage précoce, je dirais plus que que les parents arrêtent un peu avec leurs activités pécuniaires. Mmh. Ça rapporte, c'est vrai, c'est rentable, mais votre fille, vous en faites quoi mmh. Qu'est-ce qui qu est, qu est le sort de votre fille Quel La traumatisme ville... vous causez chez elle ça. Et aujourd'hui, on ne parle pas souvent de, de mariage précoce, mais grossesse précoce. Il mmh. mmh. y a des. celles là qui se sont retrouvés euh, dans un foyer où. Il pas, elle n'a pas été mariée, mais elle s'est retrouvée dans ça. Mmh. Donc elle n'est pas mariée, mais elle vit avec un homme. Okay. Tout ça causé par un accident de grossesse précoce qu'elle n'a pas pu gérer mmh. son corps pendant ce moment-là. Mmh. Donc je dirais un peu plus que les parents devraient être les mentors de leur fils. Mmh. Et pour le grossesse précoce, que les parents arrêtent un peu avec cette conception primitive et mmh. primaire. Oui. Parce que je m'imagine mal d'envoyer ma fille chez quelqu'un ou qui est plus que lui, ou peut-être envoyer ma fille précocement au mariage. Mm. Elle a encore une heure. Oui. Elle a encore de l'avenir. Mm. Qu'est-ce que j'ai fait de ces projets Qu'est-ce mm. que j'ai fait d'abord d'elle mm. de... Parce que c'est égoïste de réfléchir comme ça. Vraiment égoïste. Parce que priver le bonheur de quelqu'un pour, euh, pour votre bonheur, c'est égoïste de penser comme ça. Alors ouais. moi, je pense que les parents devraient arrêter avec cette conception totalement primaire. Ok, merci beaucoup, Sublime. Et Mehdi. Ah bon, moi je suis avec cet adage. une repère agendre un avenir flou. Donc, mm. mm. c'est okay. ça. Mm. Donc, quand déjà, vous ratez l'enfant à un certain âge. N'espérez plus à l'avenir, c'est mm. fini. Donc, à l'avenir, déjà, l'enfant enfant sera déjà perdu. Mm. Et à propos de mariage précoce, là vraiment, je rejoins, je rejoins mon confrère sublime. Les parents doivent arrêter. Mm. Doivent arrêter. Ça, ça, détruit, ça détruit énormément l'avenir des de certaines filles qui. Mm qui, euh, qui rêvent d'un avenir euh, joyeux. Mm. Et du coup, ces rêves sont brisés par les désirs des parents. Mm. Là vraiment, je dirais à tous les parents d'essayer un peu de, de laisser leur filles de prendre des décisions librement, mais de bonnes décisions. Mm. Donc d'essayer un peu d'orienter leurs enfants à prendre mm. des bonnes décisions qui seront meilleures pour leur futur. C'est okay. juste ça. En tout cas, voilà un peu les parents. Vous avez pu entendre les conseils de, de nos amis sublimes et Mehdi. En tout cas, veillez arrêter avec ces pensées-là primitives selon lesquelles vous pensez que c'est mieux d'envoyer vos enfants précocement dans le mariage. Il y aura certainement des conséquences et voire surtout. Voir l'avenir de vos enfants qui est plus important, encore plus très 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 important aussi pour eux, parce qu'ils ont le droit de choisir, ils ont le droit de devenir celle qu'elle veut, celle qu'elle veut devenir, on peut dire. Vous voyez un peu ce que je veux dire, les parents. En tout cas, nous voulons que la société congolaise évolue et nous voulons que ce phénomène-là de mariage précoce s'arrête. Si ce mariage, le, le phénomène de mariage précoce, on peut dire on le voit plus dans les provinces, mmh. mais ici, à qui on voit le, mariage, le, 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 le phénomène grossesse de gros, grossesse précoce <laughs> Les ouais. parents, soyez des conseillers pour vos enfants, aidez-les, euh, on peut dire, dirigez-les vers les droits chemins, aidez-les à ne pas aller vers la perdition, si je peux le dire comme ça, et à ne pas se perdre du bon chemin que vous, avez, vous aurez à tracer pour eux. En tout cas, nous sommes déjà à la fin de cette émission. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci euh, d'avoir participé à cette émission. média est sublime, surtout. Oui. Et si vous avez des questions, vous pouvez quand même les poser euh, sur euh, Facebook et sur notre numéro. Vous pouvez écrire en privé 081, notez, s'il vous plaît. Euh, vous aurez 85, plutôt, 27, 32... 988085 2732 988. 8. Vous pouvez toujours nous envoyer vos questions et nous essayerons un peu de vous répondre. Donc voilà. Retrouvons-nous euh, la semaine prochaine pour un nouveau sujet de société avec lequel nous allons débattre avec vous et essayer un peu de prodiguer quelques conseils. Et peut-être nous serons en compagnie d'un expert qui va nous aider un peu à aborder le sujet. En tout cas, pour euh, la suite, nous vous souhaitons d'abord une, euh, euh, une bonne journée et euh, Retrouvons-nous euh, au prochain numéro de cette émission. Au revoir!